Savoir vivre au fur et à mesure. Dans ce grand pays non francophone qu'est l'Afrique du Sud, mais qui est très tourné vers le reste du continent, nous avons choisi de promouvoir le français non seulement comme langue de culture, mais comme langue des affaires, comme langue de l'emploi, comme langue de l'échange. Les Sud-Africains s'intéressent beaucoup au reste de l'Afrique et notamment aux pays francophones, où la langue devenait pour eux un obstacle. Ça a été pour nous un atout et c'est pour ça que nous avons notamment organisé deux grands forums, un sur le français des affaires, un sur le français de l'emploi. Toute l'année, nous coopérons avec les universités, nous formons des professeurs, nous cherchons à développer des filières de spécialité et puis bien sûr, plus largement, il y a une coopération éducative permanente avec le ministère de l'Éducation. Vous aussi, proposez votre idée pour la langue française.